ובפרק כמה דקידושין, היה רבי טרפון וזקנים בעליית בית נדב, נשאלה שאלה בפניהם, תלמוד גדול ומעשה גדול. נהנה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נהנה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול, נהנו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. Avec traduction. Ouais, vas-y. Donc, ils étaient à cet endroit qui était dans les hauteurs de Beth Natza. Et à ce moment-là, ils ont demandé devant les Chachamim, qu'est-ce qui était plus important? Est-ce que l'étude était plus importante ou bien l'action était plus importante? Donc, Rabbi Tarfon pense que l'action est plus importante, Rabbi Akiva pense que l'étude est plus importante. Et après, tout le monde se sont assemblés pour dire que l'étude est plus grande parce que tout simplement, à travers l'étude, j'arrive à l'action. Tania Rabbi Yossi Omer, Gadol Talmud Torah chez Kadam. Les chala 40 shana, les 40 shana, les trumot ou maasrot 54 shana, les yovlot kuf dalet shana, ou kshem shel talmud kodem le maase, car trilat dino shel adam eno ela al divrei Torah. Donc on dit que tout simplement le Talmud a précédé la chala de 40 ans, les trumot ou maasrot de 54 ans, les yovlot de 104 ans, et de même que l'étude est avant l'action, de la même façon l'homme qui sera jugé après 120 ans, le début de son jugement ne se fera uniquement sur l'étude. Chez Neymar, Peter, Maïm Reshit Madon, ou Kshem Shedino Kodem Lemaase, Kar Srara Kodem Lemaase. Et ainsi aussi, la récompense de la Torah, de l'étude de la Torah est, précède donc la récompense par rapport à l'action. Chez Neymar, Veiten Neymar Tzot Goim, Vaamal Leumim Irashu, Bavur Ishmeru Chuka Vetorota Vinatsru Adkan. Au Pirouzé, qui savent Rabbi Tarfon Maase Gadol. Alors, l'explication dit le Maharal que Rabbi Tarfon pensait que Maase Gadol Bishwil Shaya Sover, qui a Maase, Yahash Lamat à Adam Shemashlim à Adam Atzmo Alide Maase. Il pensait que donc l'accomplissement de l'homme, ou bien ce qui va compléter l'homme, c'est justement le Maase, c'est l'action. Vav ki Torah bevadei yesh la Maale Eliyona mitzad sha Torah isichlit. Et bien que Rabbi Tarfon, bien évidemment, était d'accord avec le fait que la Torah a aussi une particularité, c'est que tout simplement c'est quelque chose d'intellectuel. Ça reste que la mitzvah qui complète l'homme est plus grande parce que tout simplement c'est elle qui va permettre à l'homme de s'élever. Il pourra comparer cela avec tout simplement la comparaison du vin et du pain, que de la même façon que le vin est plus important parce que tout simplement il réjouit, mais comme l'echem et farnes sont machin et adam. Finalement, au bout du compte, c'est à travers le pain que l'homme arrive à se nourrir. C'est pour ça qu'au bout du compte, on pourrait penser que le pain, qui est celui qui complète et qui rassasie l'homme, sera plus important que le vin. Et car Hamaaseh shu Hashlamat Adam, comme chez Iber ou Yoter min Torah, shenu Hashlamat Adam ou Yifichar Savar Hamaaseh. Donc c'est pour ça que Rabbi Tarfon pense donc que l'action qui complète l'homme, alors que la Torah ne complète pas l'homme, n'est pas quelque chose qui va rajouter et va permettre à l'homme de s'accomplir. C'est pour ça qu'il pensait aussi que donc l'action est plus importante. Mais on s'arrête là une seconde. Donc okay. On reprend la vue de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon considère que la mitzvah est plus importante au niveau de son urgence que l'étude, et ceci à partir d'une hiérarchie de trois points. C'est que, comme on a expliqué déjà, c'est que la mitzvah, que l'étude de la Torah, c'est une ma'ala, c'est pas de combler un manque. Ça veut dire une ma'ala, c'est qu'elle t'ouvre des horizons conceptuels, spirituels, métaphysiques, qui dépassent ta condition. C'est ça l'essence même de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, si c'est pour une thérapie psychanalytique, vaut mieux aller voir un psychiatre, pas étudier la Torah. La Torah n'est pas là pour réparer des manques. La Torah est là pour ouvrir sérieusement des horizons, des interrogations conceptuelles, intellectuelles, et spirituels, qui n'ont aucun rapport avec mon niveau, et qui ont à voir avec l'absolu de l'homme. L'homme étant le reflet de Dieu sur terre, il a un côté infini en lui qui répond à l'appel infini et absolu de la vérité. Ça s'appelle une ma'ala. Une ma'ala, ça veut dire une dimension. Mais c'est quelque chose qui reste tout le temps en écart, en distance avec moi. Je ne peux pas faire corps avec cette ma'ala. C'est là où intervient la deuxième notion de Rabbi Tarfon, que la mitzvah, elle, par contre, est une mitzvah qui concerne la façon parfaite d'exister, donc qui perfectionne l'homme, qui l'accomplit, et que de ne pas la faire détruit la stature spirituelle de l'homme. Et c'est là où il y a son troisième retournement, qui est en vérité le cœur de son sfar, c'est de dire que quand je dois choisir entre les deux, l'erreur fatale,
serait de choisir la Mahala pour lui. Parce que de choisir la Mahala serait tomber dans l'illusion que la Mahala est plus essentielle que le Chisaron. Or, fondamentalement, l'homme est constitué par un niveau inférieur. Ça veut dire que pour Rabbi Tarfon, l'honnêteté intellectuelle oblige à ne pas confondre ses capacités d'accéder à des horizons conceptuels et spirituels infinis avec sa dimension existentielle. En nous, on pourrait dire, on pourrait être habitué à une pensée plutôt rabbinique qui va dire, oh, mais ça veut dire quoi? Qu'on va détacher dans la vie ma face, mon régime de pensée et mon régime d'agir. Je vais penser puissance 1000, mais je vais agir puissance 100. Donc il va avoir une dichotomie, une distorsion entre la pensée et l'agir. Il va dire oui. Pourquoi? Parce que la pensée, parce qu'elle est libre et qu'elle est supérieure, qu'elle excède ton niveau et qu'elle est infinie, justement, elle te permet d'arriver à des niveaux incroyables qui ne correspondent pas à ton être. Et c'est ça la liberté de la pensée, et c'est ça la soif de vérité, et c'est ça la grandeur de la pensée. Mais sa grandeur, c'est en même temps, elle est grandeur parce qu'elle est faiblesse. Elle est infiniment, potentiellement riche parce qu'elle n'est pas limitée par ta réalité. Alors que la mitzvah, elle est toujours en perspective par rapport à tes obligations d'être. Chaque mitzvah va remettre en question, comme on a dit, la tzedaka, est-ce que tu es généreux, radin? Tout rapport à la nourriture, est-ce que tu es un goinfre, est-ce que tu es capable d'avoir un rapport de distorsion quand tu manges, etc. etc. Donc la mitzvah va mettre en lumière, en travail, ta purification dans ta chair, dans ton âme, avec Dieu, ce que ne va pas faire l'étude. Et pour Rabbi Tarfon, privilégier la pensée comme... Bien sûr que la pensée est supérieure, mais d'accord, comme il dit, c'est sirli. Mais privilégier la pensée à l'acte, c'est privilégier, c'est se tromper sur la nature humaine. C'est de voir dans la nature humaine, de confondre sa liberté et son infinie puissance à accéder à des niveaux qui le dépassent à son être. Or, ta vie est avant tout. C'est-à-dire que ce qui est plus essentiel pour toi, c'est ce qui te concerne dans ton essence, pas ce qui te concerne dans tes possibilités. Ça, c'est Rabbi Tarfon. C'est clair pour Rabbi Tarfon. À première vue, ça tient tout à fait la route. À première vue, Rabbi Tarfon, et il faut que ça soit comme ça. Parce que chaque fois, dans le rapport entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, c'est plutôt la page toute, et Rabbi Akiva, c'est là le chidouche. Donc, on ne peut pas avoir un Rabbi Tarfon qui est un chidouche. La page toute, c'est comme Rabbi Tarfon. C'est évident qu'il vaut, il faut mieux privilégier le manque de gommer le chissaron plutôt que d'arriver à la mahala. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, continue. Nenu kulam. Talmud Torah Gadol Shemevi Lidei Maaser, Ratzono Amar Ki Yoter HaMa'ala Sheyesh La Torah Sheishlemut Sichli Hare HaTalmud Mevi Lidei Maaser Gam Ken Ubemadregat HaTorah Yeh Hakol Ulfichach Talmud Torah Gadol. C'est-à-dire que finalement ils sont arrivés à la conclusion de dire que l'étude de la Torah est quand même plus grande parce que tout simplement à travers elle je vais pouvoir arriver à une action. C'est-à-dire que la Torah est en train de me permettre d'arriver à un accomplissement intellectuel, et à travers cet accomplissement, j'aurai une action différente. Alors, c'est compliqué ce qu'il dit. Regarde, si tu fais attention à ces mots, c'est compliqué. Parce qu'ils ne reviennent pas sur l'argument de Rabbi Tarfon. Ils sont d'accord que si la pensée n'était que épopée, n'était que Mahala, elle est inférieure en Mahasé. D'accord ? Mais ils disent qu'il y a aussi une ashlama dans la pensée. C'est là le point de désaccord. Et où est le point de désaccord? Où est le point de ashlama? Donc il vient dire exactement le contraire ici de Rabbi Tarfon. Que la pensée n'est pas, que l'étude de la Torah n'est pas qu'une mahala de la pensée. Elle est aussi une ashlama. Elle est aussi un épanouissement, un accomplissement de l'homme. Quoi? En quoi? C'est pas l'opinion de Rabbi Akiva là maintenant. C'est Nenu Kulam Be'amon. Nenu Kulam Be'achad. Qu'est-ce qu'il dit? Rotzel Omar, qui yoter mahala yesh la Torah. Pourquoi? Elle est la complétude intellectuelle. Asma, où est-ce que tu as vu que ça c'est parce que c'est une complétude intellectuelle, ça t'amène à un maasé? Aréa Talmud, mais il y a des maasés? Gamken? Quel rapport entre les deux mouvements? Quel rapport entre le fait de dire
que la Torah est une shlemout du sikhli, et après de dire que le Talmud, mais il est démassé. Problème, c'est deux concepts, non? C'est deux choses complètement différentes. Non, mais nos actes sont aussi conditionnés par notre pensée. Elles sont censées, du moins. C'est obligatoirement. Bon, on peut le lancer comme ça. Moi, je pense, je suis pas sûr du pshat. Hein. Je propose un pshat. Qu'en vérité, du moment où il y a shlemout, c'est qu'elle amène à un résultat. C'est que la shlemout du sechel que s'opère par la Torah s'appelle arriver à l'aider les maasé. Ce qu'il aurait pu dire très simple, en étudiant, tu sais quoi faire. Bon, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, la Torah, elle est une complétude de l'esprit. Arrête, parce qu'elle est complétude de l'esprit, à Talmud, mais il a démassé. Gamke. Ou madregat, à Torah, il y a kol. Parce que dans la Torah, il y a tout. Donc ce mouvement qui existe dans le monde, que les mitzvot font le tikkun de ton corps physique, de ton corps céleste, existe aussi dans l'étude. Et j'oserais dire, que ici, le Maharal nous dit une idée formidable, qu'il y aurait une sorte de dédoublement. Ça veut dire que tout ce qu'il se passe dans l'existence ne peut pas être dédoublé à un niveau conceptuel. C'est ça le pshat. Quand il dit les fikar talmud Torah, gadol. Pourquoi? Parce qu'il dit ou matagat Torah ou bakol. Ou akol. Là, on a lâché, là, ouais. Ouais. On va voir. Ça veut dire que c'est pas du tout évident de comprendre ces lignes du Maharal. Pas du tout évident de les comprendre. Est-ce que vous êtes en train de dire ce que vous avez déjà dit dans les cours précédents, non, hein, à savoir que toute vérité ne peut être vérité que si elle a un accomplissement technique? Non. Et donc, la shlemout du sekhel, ça s'applique? Non, pas du tout. Non. À première vue, si on fait attention à ces phrases, on a l'impression qu'il dit que, un, si on prend logiquement ce qu'il dit, il fait trois mouvements. Un premier mouvement, il dit qu'il y a shlemout du sekhel dans l'étude. Donc l'étude n'est pas juste une évasion vers des dimensions qui m'échappent en tant que, et qui ne m'affectent pas. L'étude amène à un accomplissement, à une perfection de mon esprit, de mes capacités de penser. Ça c'est un. Deux, du fait qu'elle a une capacité d'influence sur le sechel, elle est hashlamat à sechel, ça s'appelle qu'elle amène à un maasé. Qu'est-ce qui s'appellerait de ne pas amener à un maasé? Ça serait un exercice, une pratique qui n'aurait aucun affect dans ce bas monde. Or, ce n'est pas le cas. Puisqu'elle m'accomplit. Troisièmement, il dit, comment c'est que c'est possible? Ah, on est dans des différences, on est dans l'étude, on est dans le sechel, on n'est pas dans le monde. On est dans le Sérel, on n'est pas dans le monde. On est dans l'Olam Sikhli. Dans l'Olam Sikhli, il n'y a pas de tikkun. C'est la vérité en soi. C'est les choses en soi. Comment c'est possible qu'il puisse y avoir accomplissement dans quelque chose qui est Sikhli? C'est là où il dit une grande vérité, d'après moi, c'est son troisième mouvement. Où il dit, parce que tout est dans la Torah. Ça veut dire que dans le monde de la pensée, né un monde de la pensée, que s'il est capable de dédoubler le cosmos, la totalité de l'être, en concept. Ce que je nommerais, moi, par un néologisme, le dédoublement. Ça veut dire qu'il faudrait penser, c'est d'être capable de penser ce qui se passe de façon existentielle. Peut-être, si on comprend bien ce que je viens de dire, on pourrait s'apercevoir qu'on n'a jamais pensé. Parce que peut-être penser, ce n'est que ce que nous on fait de penser, c'est ne qu'en d'entrer des mouvements d'existence dans notre conscience. Mais c'est pas penser ça. De faire passer dans la tête en silence un chien qui marche autour d'une fontaine, c'est pas penser. De dire que 1 plus 1 font 2, c'est pas encore penser, parce que ça tu le vois dans la matière. Penser, ce serait capable de faire surgir un concept qui n'existe pas dans le visible, dans la matière, dans les temps, mais qui est capable dans sa sphère conceptuelle de nous dire la vérité de ce qui se passe dans la matière. Un peu comme un langage informatique parlerait du monde. Mais le langage informatique, il n'a aucun rapport avec le monde. Mais pourtant, il peut codifier le monde. C'est un langage autre que le monde qui se présente tel qu'il est. Dans la pensée, il y a ça aussi.
Et donc, il nous dirait ces trois points. Premier point, les Chachamim ont décidé, pas du tout Rabbi Tarfon. On n'est pas d'accord avec toi. La Torah n'est pas juste quête hors de soi. La Torah n'est pas juste métaphysique. La Torah n'est pas juste ma'ala pour arriver à des points d'horizon conceptuel et intellectuel qui ne nous affectent pas parce qu'ils sont radicalement étrangers à notre condition humaine. L'étude de la Torah amène une Hashlama. Quelle Hashlama ? Hashlama d'esprit. Dès que ça amène Hashlama de l'esprit, ça s'appelle Yadema Aser. Comment c'est possible ? Parce qu'il y a, un lien entre l'intellect et le réel qui est que tout est Torah. Tout est trace de Torah. Il n'y a pas deux mondes séparés, deux régimes. Le monde matériel et le monde toraïque. Parce que même le monde matériel est Torah. Et ça, tout vient de la Torah. Donc tout est un. Dans cette unité primordiale, simplement, c'est des niveaux. Là, tu vois le monde sous sa forme matérielle. Quand tu étudies la Torah, tu vois le monde sous sa forme spirituelle, de feu. Tu peux voir le monde sous sa forme de matière, ou tu peux voir le monde sous sa forme de lettre de feu. Et donc là, on a signé la boucle. On a bouclé la boucle. D'accord ? C'est clair ou pas clair ? J'ai pas compris comment c'est mitraber au Talmud Torah, mais l'idée maassée. L'idée maassée, c'est pas que tu fais. S'ils veulent pas l'expliquer comme ça, je sais pas pourquoi. Moi, j'avais toujours compris quand j'avais lu ça bêtement. Enfin, bêtement, premièrement. Mais ça peut pas être ça le pire, parce que rapidement, il serait d'accord. Que le Talmud Torah, il y a quelque chose de plus, c'est que tu étudies. Tu sais comment mettre les tefilines, donc c'est formidable, donc c'est lié au maassée. Mais en fait, il dit pas du tout ça. Il dit que pourquoi ça amène. Il te dit, Nénou Koulam Talmud Torah.